Bonjour à tous. Mon nom est Dera Lanchonis. C'est moi qui vais faire la présentation sur les sports saisonniers et la préparation physique au secondaire. Je vais prendre encore quelques temps pour laisser quelques personnes s'intégrer à la conversation. Si vous m'entendez bien, vous pouvez peut-être me laisser savoir en écrivant sur l'onglet questions et réponses. Donc, ça va toujours être accessible pour vous. De m'écrire une question, soit durant la présentation, soit au moment où est-ce que je vais demander, je vais laisser avoir une période de questions. Donc, vous pourrez l'écrire à ce moment-là. Donc, si vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, s'il vous plaît, me laissez savoir. Il y a trois participants, donc un des trois, s'il peut se suggérer, ça me ferait bien plaisir. Donc, la présentation va avoir lieu en deux temps. Il va y avoir une partie sur mon rôle en tant que kinésiologue dans l'école. On va parler de tout ça pour après la moitié de la séance. Et l'autre moitié, je vais vous expliquer un peu les différents sports saisonniers qui sont offerts à Brébeuf, donc la saison d'automne et la saison de printemps. Merci beaucoup d'avoir répondu quand on m'entend. Je suis très contente de savoir ça. Donc, je vais prendre les 5 premières minutes pour me présenter. Mon prénom est Edera, un nom très peu commun, mais absolument les élèves m'appellent Mme Lanchonet ou Mme Edera pour ceux que je connais depuis un peu plus longtemps. Je suis une ancienne de l'école. Je suis venue ici quand j'étais en secondaire 5 et au cégep. Depuis 7 ans maintenant, je travaille à l'école et j'ai eu plusieurs rôles, mais là, officiellement, je suis la préparatrice physique. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce rôle que je trouve vraiment important. Je vais pouvoir expliquer un peu plus les détails là-dessus. Donc, je vais commencer mon PowerPoint. Je me suis mis un petit peu un côté visuel pour que vous puissiez avoir des idées, un peu plus d'informations. Ce ne sera pas très long. Donc, si à n'importe quel moment vous avez une question, je vais prendre le temps d'aller regarder ces questions-là à un certain moment et m'assurer de bien y répondre. Sentez-vous à l'aise à me poser des questions par rapport à des détails sur mon travail avec les élèves. Donc, depuis maintenant quelques années, les sports élites qui sont les sports qui sont annuels à l'école. Dans ces sports-là, on retrouve l'escrime, le volleyball, le basketball et le hockey. Ces sports qui demandent absolument 2 à 3 pratiques par semaine, des matchs des fois en semaine, des fois en fin de semaine, dépendant des sports. Depuis quelques années, on avait remarqué, quand moi j'ai été coach de volleyball, on a remarqué que rendu à un certain point, au niveau cadet, juvénile, on était un peu en arrière. Vis-à-vis des autres écoles, surtout au niveau physique. Donc, on avait des super coachs tactiques, techniques, et malheureusement, du côté physique, il manquait encore un petit peu de travail. C'est là que j'ai eu l'idée de travailler avec mon responsable de volleyball dans le temps en lui proposant est-ce que ce serait possible de faire les entraînements physiques? Donc, quand j'ai étudié à l'université, ça, c'était un des aspects qu'on voyait qui était super intéressant pour les athlètes. Et en lui ayant parlé de ça, il m'a dit oui, c'est une super idée, on commence dès l'année prochaine. Et on a commencé avec le volleyball. Et là, tous les autres sports ont vu à quel point ça faisait vraiment une différence sur un an d'avoir ces entraînements-là au courant de la saison. Alors maintenant, je suis rendue avec un travail temps plein et je m'occupe de toutes les équipes sportives. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un kinésiologue? La kinésiologie vient du mot kinésis, de l'ancien grec, qui veut dire mouvement, et logis, donc pour étude. Alors, quand je suis allée à l'université, j'ai étudié la science du mouvement. Et un kinésiologue est un spécialiste de l'activité physique qui étudie des mouvements spécifiques à des fins de prévention, de traitement et de performance. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'un kinésiologue va être sur le terrain. Il va utiliser les mouvements qui sont spécifiques à son sport ou non. Donc, on s'entend que tout athlète doit être capable de courir, sauter, lancer. C'est des habiletés qui sont
importante pour n'importe quel jeune. Et plus on va loin dans le sport, plus ces habiletés-là sont quelque chose qui devrait être complet chez l'athlète. Donc, mon rôle, c'est autant au niveau de la performance. Donc, au départ, l'idée d'avoir un kinésiologue sur le terrain qui fait ces séances de préparation physique-là, l'idée, c'est d'être plus performant sur le terrain, donc d'aller plus loin dans l'excellence de ces athlètes-là. Mais il y a aussi un côté prévention. Donc, c'est sûr que tous les sports contiennent leur risque, c'est pas le mot que je cherche, donc, la prévention de certaines blessures, soit d'usure, d'impact ou des situations où est-ce que l'athlète pourrait se blesser, la kinésiologie va aider à soit éviter ces situations-là ou essayer d'améliorer le processus de guérison d'un athlète qui a été blessé. Donc, principalement, mes équipes avec qui je travaille, mes entraînements physiques sont avec les joueurs de basketball, les escrimeurs, filles et garçons, les joueurs de hockey, le volleyball, filles et garçons, et le rugby, je l'ai mis en parenthèse parce que c'est vraiment un sport annuel qui se passe au printemps. Par contre, la pré-saison de rugby se fait en février-mars. Donc, à ce moment-là, on va utiliser les plages horaires pour inciter les joueurs à venir s'entraîner à la salle d'entraînement pour créer déjà une routine et aussi les aider à être dans leur saison plus performants. En tant que kinésiologue aussi, je suis un peu avec les services de santé, je suis un peu centrale dans tout ce qui est suivi des blessures. Donc, c'est normal qu'un jeune va se blesser. On essaie le plus possible d'éviter ça, mais ça fait partie du sport. Après ça, mon travail va vraiment être de collaborer entre la thérapeute sportive qui vient à l'école une fois par semaine, les responsables, l'athlète, les parents, pour optimiser la guérison. C'est sûr que s'il y a un protocole déjà qui est mis en place dès le moment de la blessure, ça va permettre aux jeunes de perdre moins de temps dans sa saison. Donc, ça, c'est un peu mon deuxième chapeau que j'ai en tant que kinésiologue. Ce qu'on va faire dans le programme sur 5 ans, donc au début, j'ai dit encadrement sur 7 ans parce qu'après ça, au collégial, il y a mon homologue qui se nomme Laurent. Laurent, lui, va s'occuper plus des équipes collégiales, mais moi, je m'occupe vraiment du côté secondaire. Et en tant que kinésiologue, je trouve que c'est vraiment important que les fondations soient super solides pour qu'après ça, peu importe la thèse qu'il veut faire, donc que ce soit aller à son plus haut niveau dans son sport ou d'être un athlète multi, donc très polyvalent dans les différents sports, la base va être souvent la même. Donc, de secondaire 1 à 3, on va suivre les programmes du DLTA, qui est le développement à long terme de l'athlète. Donc, toutes les fédérations ont développé leur propre développement à long terme. Donc, comment on voudrait que les jeunes arrivent dans un programme et comment on voudrait développer les habiletés, les qualités physiques qui sont importantes pour ce sport-là. Donc, dépendamment des sports à développement hâtif, développement tardif aussi. Donc, en gymnastique, je peux vous donner un exemple, ils vont commencer à l'âge de 5 ans. Et plus tard, un peu, mettons exemple au basketball, la fédération va commencer, oui, en développement d'habiletés motrices de base au début, mais plus ça va, plus on peut augmenter les demandes, compléter un peu les différentes habiletés qui sont demandées. De secondaire 1 à 3, je vous présente la salle dans laquelle on fait notre entraînement, c'est la Palestre. Pour les anciens qui sont venus à Brébeuf, la Palestre était la salle de gymnastique et la salle d'entraînement. Elle a beaucoup de vécu, cette salle. Elle a une très grande notoriété. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup d'espace. Et moi, j'utilise cet espace-là pour développer des habiletés physiques de base. Donc, on va aller travailler sur les sauts, les lancers, la course. Latéral, unilatéral ou plurilatéral. On va travailler sur l'équilibre. La plupart de mes ateliers, je vais vraiment essayer de trouver des jeux ou en bon français, des drills, qui vont permettre aux jeunes de bouger sans nécessairement se rendre compte de tous les détails que moi j'apporte là-dedans. Donc,
Je vais demander à voir de focuser seulement sur un seul aspect dans le jeu et je vais leur donner des rétroactions là-dessus. C'est sûr que moi, dans le fond, comme professionnel, mon but, c'est de développer, mais je comprends très bien qu'un jeune entre 12 et 15 ans veuille encore beaucoup bouger pour jouer ou jouer en bougeant. Donc, je trouve ça vraiment important et la plupart des temps, c'est vraiment très, très ludique ou très ouvert. Quand je leur dis que vous avez une séance de préparation physique avec moi, je leur dis que je veux qu'ils m'offrent la possibilité d'être très ouvert d'esprit. Donc, ça, c'est vraiment une des demandes que je leur fais. Et moi, je m'assure qu'ils ont du plaisir. Donc, dans ces jeux-là, on va faire des développements de patrons moteurs qui sont efficaces. Puis encore plus spécifique au sport pratiqué. Donc, c'est sûr que mes joueurs de basket ne vont pas nécessairement courir de la même manière que mes joueurs de hockey. Je vais essayer de trouver des manières de subtilement créer les patrons qui sont intéressants aussi en hors glace pour les joueurs de hockey et hors terrain pour les joueurs de basket. Les matériels qu'on utilise, c'est sûr que c'est très variable d'un jeune à l'autre, dans le sens qu'il y en a qui ont beaucoup d'expérience d'entraînement physique, d'autres un peu moins. Donc souvent, on va utiliser, pas nécessairement, on n'a pas vraiment d'haltères dans la palette, mais à la place, on va utiliser des ballons médicinaux, un ballon suisse, un élastique, ou des exercices qui demandent d'utiliser le poids corporel comme résistance. Déjà, avec ça, j'ai une multitude d'exercices et de jeux que je peux leur faire faire. Et des fois, ça leur permet de, justement avec cette résistance-là qui est faite différemment, d'apprendre à mieux connaître leur corps et ultimement de travailler sur les bons patrons moteurs. Qu'est-ce qui est intéressant dans mon travail aussi et qu'est-ce que j'adore vraiment beaucoup, c'est que j'ai carte blanche. Donc, les responsables, quand ils me demandent de faire une préparation physique, ils me disent, moi, je veux, Dera, que tu fasses deux des meilleurs athlètes. Donc, si je sens qu'il y a une lacune au niveau mental ou au niveau peut-être nutritionnel, ça fait plusieurs semaines de suite que je vois les gars qui sont très, très fatigués, les filles qui sont stressées, c'est un stéréotype un peu, mais c'est quand même plus commun qu'on le pense. J'ai tous les droits de prendre un moment de 45 minutes que j'ai avec eux pour leur permettre de leur donner plus d'informations sur comment mieux gérer le stress. Comment mieux gérer leur planification pour être plus efficace dans leur routine de sommeil, de nutrition. Donc, j'ai vraiment la possibilité de leur donner des ateliers et d'essayer de leur permettre d'avoir plus d'outils, en fait. Je pense que c'est vraiment comme ça que je me réfère comme une personne qui peut leur donner plein d'outils et être une référence pour eux. Peu importe leur question. Je vais aussi travailler sur, dépendant des sports, si c'est un sport individuel comme l'escrime ou les sports collectifs comme le volleyball, le basket puis le hockey. On va travailler justement sur les qualités mentales et cognitives, émotionnelles que demandent ces sports-là. J'ai des jeux très, très amusants qui permettent de créer différents liens. Des fois, leur donner des moments de stress un peu pour comprendre comment gérer le stress rendu en situation sportive. Donc, c'est vraiment une séance quand je sens le besoin. Puis, c'est très variable d'une équipe à l'autre, de ce qu'on a un à 4, 5, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin. Et ça, tranquillement, je vais faire l'introduction des activités auxiliaires, comme on parle. On va parler d'échauffement, de retour au calme, étirement, natation, donc tout ce qui complète la vie d'un athlète. C'est très important de garder un équilibre là-dedans et c'est vraiment ça que je veux leur enseigner. Par la suite, rendu en secondaire 4 et 5, les étudiants ont le droit d'avoir accès à la, ils ont accès, pardon, à la salle d'entraînement. Salle d'entraînement qu'on partage avec le collégial, mais qui est une super belle salle, très multifonctionnelle, donc on a vraiment de tout. Et on va utiliser la salle pour introduire les poids libres dans l'entraînement des athlètes. Techniquement, puisqu'ils ont passé déjà 3 ans avec moi, leur base est très, très solide par rapport à leur entraînement. Et c'est là qu'on va commencer à travailler plus spécifiquement
ben, plus spécifiquement sur les qualités spécifiques au sport et selon le poste même, si on commence déjà à spécialiser certains jeunes dans certains postes, on va commencer à leur demander de choisir certains exercices en fonction de ça. Et on va périodiser aussi. Donc, avec les entraîneurs, j'ai une bonne communication avec tous les coachs de toutes les équipes sur les moments clés dans leur saison. Justement, peut-être les préparations aussi avant les tournois importants. Je vais parler avec les coachs pour voir qu'est-ce qu'on devrait faire, sur quel point ils veulent qu'on garde un focus pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc, on va périodiser tout ça pour permettre aux jeunes de suivre facilement les entraînements et qu'ils puissent se sentir plus outillés aussi. Aussi, encore une fois, j'ai carte blanche sur mes séances. Donc, si je sens un besoin d'aller plus loin dans la psychologie sportive, je vais vraiment prendre des temps pour travailler, je pense, sur leur préparation mentale. Je pense qu'en dehors, sur R4 et 5, ils ont la maturité, ils ont déjà des outils un peu que je leur ai donné dans les années passées pour voir vraiment faire une introspection sur quels sont leurs besoins à court, moyen et long terme et comment ils sont capables d'y arriver mentalement. Et bien sûr, on va faire des suivis sur les ateliers des habitudes de vie d'un athlète. Donc, souvent, je vais répéter que l'équilibre est la clé. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Actuellement, en sont à 4 et 5, ils ont déjà une bonne éthique de travail. Ils sont capables de bien se discipliner par rapport à les demandes qui sont dans les sports, les demandes académiques. Mais si jamais je dénote un retard chez certains, c'est sûr que je vais porter plus attention à eux. Puis je vais essayer de leur donner des bonnes références pour poursuivre et qu'ils restent dans leur saison encore en contrôle. Donc, c'est la fin de la première partie. Si vous avez des questions, j'allais les prendre. Je vois qu'il n'y a personne qui a posé de questions, alors tant mieux. Ça doit être, j'ai été super claire. Je pense qu'il est important de comprendre, c'est que quand moi j'étais au secondaire, autant auparavant que quand je suis arrivée en secondaire 5 à Brébeuf, c'est clairement quelque chose que j'aurais adoré avoir comme athlète, ce supplément-là qui va juste permettre de créer plus d'équilibre. Pour vraiment pas le voir comme une charge de plus, mais plus comme étant quelqu'un qui va te donner des outils supplémentaires pour arriver encore plus loin, dépendamment de c'est quoi tes propres demandes. Voilà, vous avez la possibilité de me voir un petit peu. Donc, je le vois vraiment comme étant un supplément positif pour ces jeunes-là. Habituellement, plus les années passent, plus je commence à être proche avec eux, puis je peux vraiment voir c'est quoi leurs besoins sur le terrain. Je vais les suivre aussi pendant longtemps avec les différentes blessures si on a besoin. Je me sens un peu comme une petite maman des fois à leur rappeler oui, il faut que tu fasses tes exercices pour renforcer ta cheville parce qu'on le dit l'année passée, tu as arrêté 3 fois. Je commence à être assez présente sur le terrain. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, être sur le terrain. Souvent, j'allais voir leurs matchs, leurs pratiques. Je vais pouvoir faire plus de rétroactions là-dessus. Puis, je travaille très fort avec les responsables qui sont d'autres profs d'éducation physique dans le département. On travaille tous très fort pour avoir une super communication. Puis, je pense qu'être entouré de personnes qui sont très passionnées, comme les entraîneurs, comme les responsables, ça fait de moi quelqu'un qui est encore plus poussé à vouloir donner 100% parce que je vois, surtout après la pandémie qu'on a eue, je pense qu'on est encore présentement aussi. On voit vraiment quand les jeunes, ça leur fait tellement du bien, puis ça les permet de se dépasser, puis de se sentir utile. Donc ça, c'est sûr que si je peux leur donner plus d'outils pour encore plus se dépasser, c'est clairement quelque chose qui m'interpelle, puis je vais vraiment donner mon 100% pour être capable d'être présent pour eux. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, je pense que, ultimement, quand je fais les portes ouvertes en présentiel, c'est vraiment quelque chose qui attire certains parents en se disant « Wow, OK, c'est vraiment un outil de plus. » Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Voilà.
Donc là, on avait passé sur la deuxième partie, qui est les sports saisonniers. Donc ça, c'est un autre chapeau, troisième chapeau que j'ai dans ma tâche, c'est de m'occuper de deux sports saisonniers. Mais je vais vous parler de tous les sports saisonniers pour que vous ayez une idée globale de ce que les élèves peuvent avoir comme, sport offert à l'école. Sachez que ça, c'est depuis des années, on encourage les jeunes à faire du multisport. Donc, d'avoir un sport à l'automne, un sport annuel et un sport au printemps. C'est pas obligatoire du tout, mais on sent qu'il y a certains jeunes qui ont vraiment besoin de se faire pousser là-dedans et qu'ils adorent ça. Et je pense que, comme tous les responsables, sont très ouverts à avoir des jeunes qui sont heureux de faire plein de sports différents. Puis ça va clairement les aider à être des meilleurs athlètes et à être ultimement des meilleures personnes. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, voilà. Je vais passer à la partie sport saisonnier. Comme je vous ai expliqué à l'introduction, dans les sports saisonniers, on a les sports d'automne et les sports de printemps. Donc, on va commencer avec l'automne. Je vais vous laisser une petite image de à quoi ressemble notre terrain. Là, on est rendu avec un deuxième terrain qui est un peu plus de l'autre côté de l'entrée principale. Si vous avez la chance d'aller le voir, il est tout neuf, tout beau. Et on va faire différents sports sur ces terrains synthétiques-là. Et je ne sais pas si j'en ai pas parlé, mais autour de la piste. Autour du terrain, il y a une grande piste extérieure, donc ça aussi, ça va être très utile. Et où est-ce que je pointe avec ma flèche? On a le bois des Pères, qui est une grande forêt qu'on a la chance d'avoir sur notre terrain, qu'on va utiliser surtout au cross-country. Donc, dans le premier sport extérieur, on a le soccer extérieur, qui est très, très populaire chez les jeunes. Tellement qu'il y a quelques années, on avait juste deux équipes et maintenant on est rendu avec cinq équipes, donc deux Benjamines pour les secondaires 2, donc l'équipe féminine et l'équipe masculine. Et on a trois équipes au niveau cadet en secondaire 3 et 4, donc on a deux chez les garçons et une chez les filles, avec de plus en plus un bon niveau. Sincèrement, j'en ai parlé avec le responsable Frédéric Gingras et on commence à avoir des très très bons joueurs, une très très belle camaraderie aussi auprès des joueurs de soccer, donc c'est super. On joue dans la ligue de RSEQ Montréal en division 3. La charge que ça demande, c'est un entraînement par semaine et un match par semaine. C'est à l'automne seulement, donc non, il n'y a pas de futsal. Par contre, ils vont en faire dépendamment des cours d'éducation physique qu'ils ont ou des cours pratiques aussi. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite à écouter la vidéo de notre responsable des sports, Nicolas Baudet, qui a fait ça il y a une semaine de ça, je crois. Et le camp d'entraînement commence dès la rentrée scolaire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire à Frédéric Gingras à pvf.qc.ca ou l'appeler sur son poste 5884. Par la suite, on a le sport dans lequel je suis responsable, c'est le cross-country. Donc, dès l'automne, on commence à faire le cross-country après bœuf. C'est offert aux filles et aux garçons de la secondaire 1 à 5. On offre deux entraînements par semaine, en septembre et en octobre. En ce moment, je voudrais qu'il y ait beaucoup de jeunes qui font cross-country, qui font d'autres sports aussi. Donc, je suis très flexible avec eux pour les encourager à venir à au moins une des deux pratiques, sinon venir aux deux s'ils sont disponibles et intéressés. Ce que je leur dis souvent, c'est vraiment important d'aimer la course à pied quand tu veux faire du cross-country parce que les distances sont intéressantes. Je pense qu'il y a une belle effervescence qui se fait auprès des jeunes en ce moment avec le primaire. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent « j'ai fait de la cross-country au primaire et j'ai vraiment aimé ». Donc, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de jeunes. Techniquement, on aimerait encourager tous les jeunes qui viennent aux sélections pour leur permettre de venir au moins courir la course. C'est sûr qu'en ce moment, avec la pandémie, on a un maximum de 6 personnes par
catégorie d'âge par sexe. Donc, j'ai juste droit à 36 coureurs pour l'école. Mais ultimement, je pense que le but du programme, ce serait que tous ceux qui veulent venir courir pour l'école, ça me ferait bien plaisir de les accompagner avec eux à la compétition du RSEQ Montréal. Donc, le championnat régional, ça fait depuis quelques années au parc Jean-Drapeau, sur le circuit Gilles-Villeneuve. Donc, c'est là que vous voyez nos deux coureurs. Et l'année passée, on a eu quatre cadets, ce sont trois ou quatre, qui sont qualifiés pour les provinciaux aussi. Donc, c'est vraiment une question de qualification. Et pour, vu que c'est notre deuxième année, ça notre deuxième année, une deuxième saison de cross-country, et la première année, on a gagné la catégorie cadet. On était quand même surpris. C'est vrai qu'on a une bonne équipe. Mais on ne s'attendait pas à gagner la bannière. Donc, c'est super. On était vraiment contents. Je pense que en plus de ceux qui ont gagné, c'était vraiment des jeunes qui étaient très multisports. Donc, on est vraiment contents de les avoir encouragés à faire le cross-country. S'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire soit à mon adresse courriel edera.lanchenet@rebeuf.qc.ca ou à m'appeler sur mon poste 5244. Pour le printemps, on a différents sports, des sports réservés aux filles et d'autres aux garçons, et des sports mixtes. Donc, pour le premier sport, on a la crosse au champ, qui est en fait le sport national du Canada, si vous ne saviez pas. C'est un sport qui est au centre des sports saisonniers depuis la fondation du collège. Donc, les Jésuites sont assez connus pour avoir joué avec les Premières Nations il y a des centaines d'années. Et depuis 1928, le sport est pratiqué au collège. Et à chaque année, on a une centaine de jeunes de secondaire 1 à 5 qui s'inscrivent aux équipes élites. Je pense que c'est vraiment un sport vraiment palpitant pour avoir longtemps suivi mes amis qui jouaient à la crosse quand j'étais au secondaire puis au cégep. C'est vraiment un beau sport, puis on sent vraiment qu'il y a une espèce d'effervescence rendue au printemps quand les jeunes veulent se dire « Hey, moi aussi je veux faire partie de l'équipe de Brébeuf de la crosse » parce que on a vraiment une renommée, puis les jeunes sont super, super forts là-dedans. Donc on est vraiment contents de les encourager. Je connais pas tous les championnats et les tournois qu'on a gagnés dans les dernières années, mais on est actuellement assez connus pour ça. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez contacter le responsable Frédéric Gingras au 5844. Par la suite, on a un sport qui est offert aux filles et aux garçons, l'athlétisme extérieur. Saison très, très courte, donc de avril à mai. Lorsque le championnat régional se passe à la fin mai. Ça fait plus de 20 ans qu'on a des équipes d'athlétisme extérieur qui vont s'inscrire pour le régional. À chaque année, je pense qu'on est une des écoles qui arrive avec le plus de jeunes qui sont tellement intéressés à l'athlétisme. On va vraiment les pousser à aller s'inscrire au plus de disciplines possibles. Donc, chaque participant a le choix de trois disciplines, soit deux de pelouse, une de piste ou une de pelouse et deux de piste. On a dans les disciplines de pelouse les lancers comme le poids, le disque, le javelot. Et dans les sauts, on a la longueur, le trip et la hauteur. Dans les disciplines de piste, on a les sprints, 80 mètres, 100 mètres, 150, 200, 400. On a les haies, les 60 mètres, 80 mètres, 110 mètres. On a les courses de fond et on a la marche rapide aussi qui fait partie de la piste. Et dans le fond, on fait la compétition du RSEQ Montréal à la fin du mois de mai. Et ceux qui sont qualifiés peuvent aller au championnat provincial. Donc, toujours quelques jeunes qui, malgré les examens, veulent quand même aller faire le championnat provincial. Donc, on les encourage s'ils sont motivés à aller aux provinciaux. Ça nous fait plaisir. Ça aussi, je pense que l'athlétisme, il y a vraiment une effervescence au collège du fait aussi que dès avril jusqu'à juin, tous les étudiants de Brébeuf, à leur cours d'éducation physique, donc filles, garçons, de soins 1 à 5, vont faire de l'athlétisme dans leur cours d'éducation physique.
Donc, c'est là qu'on repère des étudiants qui sont doués dans certains sports ou qui ont un potentiel athlétique qu'on veut encourager. Donc, il y a vraiment une belle effervescence et ça termine après le régional aux Olympiades. Donc, encore une fois, si vous avez des questions sur les Olympiades, je vous encourage à aller voir la vidéo de M. Baudet, responsable des sports. Même chose, c'est une tradition au collège qu'au mois de juin, il y a les deux journées où est-ce que tous les élèves de l'école vont compétitionner ensemble pour l'athlétisme extérieur sur le terrain du collège. Donc, je pense que c'est vraiment un privilège qu'on a d'avoir ce genre de tradition-là à l'école. Tous les élèves sont vraiment très contents d'y participer. C'est sûr que depuis maintenant, c'est la 8e année maintenant qu'on a des filles à l'école. J'étais très, très fière de notre équipe à la saison 2019. Quand on a gagné pour la première fois la bannière Benjamin. Donc, on a quelques filles ici, quand elles étaient en secondaire 1, qui ont remporté cette bannière-là. Je pense qu'on a travaillé très, très fort et on était à un point de différence avec l'équipe qui arrive deuxième. Donc, on a vraiment travaillé très fort. La compétition était très féroce pour aller gagner cette bannière-là. Les garçons, on gagne depuis d'innombrables années les bannières. C'est vraiment une belle expérience pour tous les jeunes qui arrivent à être là. Certains qui n'ont aucune idée, qui ont des habiletés dans certains sports et qui sont habitués, exemple, de faire des sports d'équipe. Et là, finalement, ils arrivent dans un sport individuel parce qu'ils peuvent performer. Ils finissent par performer et ça leur donne vraiment des beaux souvenirs sportifs. Puis je pense qu'ultimement, les sports ces années, c'est vraiment ça le but, c'est de créer certains moments très forts pour les jeunes pour qu'il y ait des bons souvenirs de leur secondaire. L'année passée, en temps de pandémie, j'avais fait une demande de vidéo pour envoyer ça aux jeunes, pour leur dire que oui, la pandémie nous a enlevé notre saison d'athlétisme, mais qu'on va revenir en force au printemps prochain. Donc, je vous le fais écouter. Ça donne un peu un aperçu de l'entraînement d'athlétisme et des entraînements de la journée des Olympiades. Donc, une belle effervescence. Donc, 2 à 3 entraînements semaine. On encourage tous les jeunes à venir au moins essayer. Puis après ça, c'est sûr qu'il faut faire une sélection. Mais des fois, il y en a qui n'ont aucune idée de leurs habiletés et finalement, ils arrivent sur le terrain et on leur donne les outils pour performer. On est vraiment content de les voir réussir et avoir des bons moments aussi. Si vous êtes un ancien, je pense que tout le monde connaît les Olympiades et ont tous des bons souvenirs aux Olympiades, ça c'est sûr à 100%. Prochain sport, on a le flag football qui est offert pour les filles de secondaire 1 à 5. Il y a 2 équipes, une Benjamin et une juvénile. L'équipe juvénile comprend les secondaires 3, 4 et 5. C'est un sport qui est joué au printemps. Il y a 2 entraînements semaine et 1 match par semaine. Et la responsable est Karine Sénécal. Donc, si vous voulez la contacter par email à karine.sénécal@brebeuf.qc.ca ou à son poste 5624. Et le dernier sport des sports saisonniers, c'est le rugby, qui est offert pour les secondaires 3, 4 et 5. Donc, 2 équipes, les cadets, qui est vraiment la première équipe que nous avons, et après ça, l'équipe juvénile pour les 4 et 5. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que la plupart des sports qui sont offerts autant aux sports saisonniers ou aux sports annuels ont une continuité sur les 7 ans. Donc, il y a un développement, même pour le rugby aussi jusqu'au cégep, souvent des joueurs du collégial qui viennent coacher au secondaire ou qui sont passés par le parcours. La saison régulière, les athlètes s'entraînent à une fréquence de 2 à 3 fois par semaine lors du hors-saison, le pré-saison qui est au mois de février et mars. Nous, on fait un entraînement en salle d'entraînement pour travailler sur les bases du sport. Puis après ça,
À partir de la semaine de relâche, je commence à faire quelques pratiques en gymnase. Et dès que la neige est fondue, ils vont embarquer sur le terrain pour commencer à jouer avec leur ballon. Les matchs sont également disputés dans la semaine. Et depuis plusieurs années, les équipes connaissent beaucoup de succès dans la ligue. Ils jouent dans la saison régulière au GMAA, pardon, en avril et en mai. Je pense que l'année passée, si on avait eu la saison 2020, on aurait eu toute une équipe juvénile avec des gars très, très motivés. Ils m'ont parlé de la saison de rugby, de l'entraînement musculaire qu'ils voulaient faire pour, comment dire en français, build-up jusqu'à la saison. Donc, on a vraiment une belle saison. Je pense que de ce côté-là aussi, tous les jeunes qui auraient aimé faire des sports de contact comme ceci, c'est vraiment un très beau sport. Souvent, on voit quelques joueurs aussi qui n'ont pas nécessairement eu d'expérience sportive, mais qui sont intéressés au rugby. Donc, c'est la première fois qu'ils font une équipe sportive et qu'ils arrivent au rugby. Mais il y a vraiment quelque chose de très attirant chez le rugby pour ces jeunes-là. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de sport, je crois. Si vous êtes intéressé à parler au responsable, écrivez à Toby Gauthier-Baudouin ou appelez-le au poste 5883. Ça va être tout pour ma présentation. Donc, je vais prendre les dernières questions si vous avez. Donc, on a une question très pertinente. C'est demander, les sports saisonniers sont des parascolaires, c'est-à-dire qu'il y a des frais supplémentaires. Donc oui, comme les sports annuels, si vous voulez faire partie de l'équipe sportive, autant à l'automne qu'au printemps, il y a des frais additionnels qui s'appliquent, qui varient en fonction de la ligue, des matchs qu'ils ont à disputer. Je sais. Si vous avez des questions par rapport aux frais, vous pouvez déjà directement contacter les responsables que j'ai mis dans le vidéo. Voilà. Je pense à la première question. Prochaine question. On a une question ici. Y a-t-il un partenariat quelconque avec le CEPSUM et la pratique de la natation? Donc, non, il n'y a pas d'équipe civile ou parascolaire de natation. Il y a des activités du vendredi où est-ce que les jeunes, dépendamment des niveaux, vont aller nager à dans certaines piscines. Donc, c'est les activités du vendredi, les sorties du vendredi. Pour ça, je vous encourage à aller regarder la vidéo de Mme Le Tendre. Sinon, c'est plus au niveau du cégep qui vont faire des fois des cours directement au CEPSUM. Mais non, il n'y a pas de piscine à Brébeuf. Par contre, il y a plein de jeunes aussi qui continuent à faire de la natation dans leur équipe civile puis qui viennent quand même en faire. Donc, voilà. C'est ça. Donc, j'attends encore peut-être une ou deux minutes pour des questions. Sinon, ça va être la fin. Merci d'avoir été là, aux quelques participants qui étaient présents. J'espère que ça vous a plu et que vous étiez curieux de savoir un peu c'était quoi les sports saisonniers et la préparation physique. Si jamais vous avez des questions par rapport à peu importe le sujet que vous aviez écouté aujourd'hui, par rapport à mon rôle comme préparatrice physique, ça me ferait plaisir aussi d'y répondre. Donc, vous allez pouvoir soit m'écrire à mon adresse courriel de l'école ou sinon en appelant au collège ou à mon poste 5244. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. C'était très intéressant comme manière de faire les vidéos. Au plaisir de vous voir en présentiel. Et voilà. Donc, bonne fin de journée.